tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. Bonsoir, mon nom est Pierre-Alexandre Normand et je serai votre animateur pour ce troisième match local. Et en passant, ce septième match de la saison régulière 2017 des bulletins du Cégep de Victoriaville, alors que les cavaliers du Cégep de Saint-Lambert sont en ville. Cette partie de football est une présentation de Roi Auto. Les règlements du stade Yvon Paré, très important, interdiction de fumer à l'intérieur du stade Yvon Paré et dans les estrades. Aucun contenant de verre n'est permis. Aucune boisson alcoolisée ne peut être consommée autre que la bière vendue à la tente derrière les estrades. Aucun animal ne peut entrer dans le stade. On vous remercie infiniment de votre compréhension. Et ce soir, il s'agit du deuxième match face aux Cavaliers cette année. Lors du premier match, les Vulcains s'étaient inclinés 17-10. Alors on peut s'attendre à tout un match ce soir, mesdames et messieurs. Les Vulcains sont de retour à domicile après un voyage face au Cégep de Hansik. Les Mauves vont savourer leur troisième victoire. Oui, oui, troisième victoire par la marque de 19-13. Ça va bien pour les Mauves. Les Vulcains sont en quatrième position sur sept équipes dans la section sud-ouest de la Ligue collégiale de football Division 3. Notre corps arrière, Mathieu Forget, le numéro 9, est en premier de la Ligue avec maintenant 1480 verges de gain avec 10 passes de toucher. Deux receveurs se retrouvent dans le top 10 de la section sud-ouest, soit Benjamin Nolette, le numéro 2, est en premier de la Ligue avec 48 réceptions, 5 touchés et 576 verges. Et Melvin Palin, numéro 14, deuxième de la Ligue, avec 421 verges et 4 touchés. Notre porteur de ballon, Jean-Philippe Bolduc, le numéro 5, se retrouve au sixième rang de la section sud-ouest avec un total de 340 verges. En défensive maintenant, mesdames et messieurs, Nicolas Leblanc, le numéro 21, se retrouve au premier rang avec 34 plaqués, 2 sacs du corps, 5 interceptions réussies, dont 2 retournées par des touchés. Kevin Roy, le numéro 25, se retrouve au cinquième rang, lui avec 26 plaqués et 1 interception. Joël Terrier, numéro 34, en sixième place de la Ligue, avec un total de 27 plaqués finalement. Morgan Villa, le numéro 51, est au huitième rang avec 23 plaqués et 1 sac du corps. Ce soir, on vous tiendra au courant passant du match des Vicas, qui joue contre les Barons depuis 19h ce soir. Les Vicas sont présentement au deuxième rang de leur Ligue avec une fiche de 6 victoires et 1 défaite. Mesdames et messieurs, ce sera tout un match ce soir. Êtes-vous prêts? Et l'organisation des Vulcains veut témoigner encore une fois toute leur gratitude aux parents des jeunes qui sont là ce soir pour leur dévouement et leur encouragement au monde. Merci pour notre support, mesdames et messieurs. Encore une fois, bon applaudissement pour les parents. Ça débute dans les prochaines minutes. Alors, on vous rappelle que cette partie de football est une présentation de Roi Auto. Pierre Sliman ce soir, original ou light, en vente au bar au coût de 3,50 $ ou 4 pour 12 $. Aussi grosse qu'en Hambourg, blanche à 6,50 $ ou 4 pour 24. Et en passant, il y a un petit changement sur le moitié-moitié. Ce soir, moitié-moitié, 1 pour 3 $, 3 pour 5, 10 pour 10. Et on ajoute le 30 pour 20, mesdames et messieurs. Alors, ça vous tente de vous lancer. Gênez-vous pas, moitié-moitié qui sera en vente pas mal toute la soirée. Les Cavaliers vont botter. Bon match, mesdames, messieurs. Go!
son retour. C'est par le numéro 10. Félix-Antoine Laurence. Premier essai. Et 10, Vulcan. Encore une fois ce soir, jeu de la mi-temps pour seulement 3$ ou 3 pour 7$. Procurez-vous le 1 ou des magnifiques mini-ballons de football Subway afin de courir la chance de gagner un certificat cadeau du Centre optique des Bois-Francs. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer là, une belle paire de lunettes de soleil de votre choix à cet endroit. D'ailleurs, les ballons seront passés dans les estrades. Sinon, présentez-vous au bar derrière les estrades. Le deuxième essai, Vulcan. Passe incomplète. Troisième essai, Vulcan.
pour les vulgaires. Au premier quart, 7 pour les Vulcains, aucun point encore pour les Cavaliers. Un petit rappel, si vous ne le saviez pas déjà, Hot Dog Géant, Smokey Chip Maison sont en vente à la cantine Papy Hot Dog, juste à l'arrière des estrades. Vous avez une petite fringale au cours de la soirée, ne vous gênez surtout pas d'aller à la cantine Papy Hot Dog. Tristan Mazzini. Ça va les essais et 10 les Cavaliers. En pénalité contre les Cavaliers. Pénalité pour avoir retenu premier essai et 20 cavaliers. Grosse encore une fois complétée par le numéro 4, le déplaçant. Et ce sera pour l'essai, Idriss Vulcain. Thank you.
25 à faire au premier quart, 14 pour les Mutants. Aucun point encore pour les Cavaliers. On rappelle que ce match est une présentation de Roi Auto. On remercie d'ailleurs les commanditaires majeurs de ce soir, Subway, Cactus Resto Bar, au 97.3 station de radio locale, Roi Auto, Pro Mutuel Assurance, Pèlerin Pot Vin Gagnon, la ville de Victoriaville est nouvellement entrée dans l'équipe, Vidéotron. Ce sera deuxième essai. Complété par le corps arrière. C'est bon pour le premier essai et 10 cavaliers. En vente au bar au coût de 3,50$ ou 4 pour 12$. Et c'est grosse Cronenbourg blanche à 6,50$ ou 4 pour 24. Passe récupérée par le numéro 82, Maxime Buteau. Premier essai et 10 cavaliers.
On a avancé quelque part avec le balance, que ce sera suffisant. Un quatrième essai, Cavalier. Merci aux partenaires suivants, Rivard, Physiothérapie Victoriaville, Desjardins et nos partenaires Sideline. Ce soir, Tech Service, le dépanneur Le Garde-Manger, le restaurant Le Luxor, Boudreau et Associés et Centre Optique des Bois-Francs. S'il vous plaît, pour le numéro 13, Jérémy Murphy. Chez les Cavaliers, ce sera quatrième essai et une verge à faire, Cavalier. Ça va le laisser. Et 10, Cavalier. Complété par le numéro 24, le premier essai est 10, Cavalier. Ce sera le troisième essai, Cavalier. Temps d'arrêt demandé par Victoriaville. On rappelle qu'on vend présentement les moitiés-moitiés, 1 pour 3 $, 3 pour 5 $, 10 pour 10 $. Et le nouveau prix ce soir, 30 pour 20 $. On rappelle que cette partie de football est une présentation de Roy Auto. Hey, 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 now, baby.
Rose. Pour se compléter par le numéro 12, Samuel Risson, le corps arrière, touché, cavalier. Un point de plus au tableau pour les cavaliers. Alors, 6 minutes 9 à faire au premier quart. 14 pour les Vulcains et 7 pour les cavaliers. Ballon récupéré par le numéro 10, Félix-Antoine Laurence. Premier essai, et 10, Vulcain. J'en aurais demandé ça l'embarque. Let's go, defense! Passe incomplète. Deuxième essai. Vulcain.
Passe incomplète. Troisième essai, Vulcan. Passe incomplète, quatrième essai, Vulcan. Ballon récupéré par les Cavaliers, il y a pénalité sur le jeu, attendons voir. Alors, pénalité de non-respect de l'immunité contre Victoriaville. Son premier essai est 10, Cavaliers. Très beau jeu défensif, mesdames et messieurs. Par le numéro 51 chez les Vulcains, Morgan Gela. Deuxième essai, Cavalier. Par le numéro 34, Joël Terrien. Il a blessé sur le jeu. Cette partie de football est une présentation de Roi Auto. Merci aux autres partenaires, commanditaires, partenaires joueurs, Outimag, Canadian Tire, Air Max Ventilation, FT Pièces Auto, les dessins Jean-Bolduc, le bistrot, le luxe. Troisième essai et 10 pour les Cavaliers. Victor, c'est le temps de faire du bruit pour la défensive! Course complétée par le numéro 24, Ravel Gentilé. Insuffisant pour le premier essai. Quatrième essai maintenant. Cavalier. Le ballon sorti à l'extérieur, ce sera premier essai et 10.
va se compléter par le corps arrière. Le numéro 9, Mathieu Forget. Deuxième essai, Vulcan. Alors, son premier essai est 10, Vulcan. Passe incomplète. Deuxième essai, Vulcan. Passe incomplète, pénalité sur le jeu. Ce sera donc mon premier essai, Vulcan. Premier essai 10, Vulcan. Course complétée par le numéro 5, Jean-Philippe Bolduc. Deuxième essai. Vulcan. Passe incomplète. Deuxième essai, Vulcan. Le corps est maintenant terminé. Après un quart de jeu, 14 pour les Vulcains, 7 pour les Cavaliers. C'est parti pour l'équipe de présentation. Bonjour, messieurs.
Merci au partenaire majeur de ce soir, Subway, Cactus Restaurant, au 97.3 station de radio locale, Roi Auto, Promutuelle Assurance, Pèlerin Potvin Gagnon, la ville de Victoriaville est nouvellement entrée dans l'équipe Vidéotron. Intercepté par le numéro 17 chez les Cavaliers, Darren Paris. Premier essai est 10, Cavaliers. Course complétée par le numéro 24 chez les Cavaliers, Raphaël Gentilet, mais arrêté par la défensive des Vulcains pour le deuxième essai. Cavalier. Le très beau jeu défensif de Thomas Pike, numéro 11. Un troisième essai, Cavalier. Complété par le numéro 19. Chez les Cavaliers. Premier essai et 10, Cavaliers. On a le résultat de la mi-temps des Vicasses contre les Barons qui a débuté à 19h en passant. Et les Vicasses perdent 1-0 actuellement à la mi-temps. C'est loin d'être terminé. Je rappelle que le jeu de la mi-temps s'en vient pour seulement 3$ ou 3 pour 7$. Procurez-vous un magnifique ou un magnifique mini-ballon de football Subway afin de courir la chance de gagner un certificat cadeau au Centre optique des Bois-Francs. Là, on jouera à la mi-temps, bien entendu. Mais un applaudissement pour le numéro 10, Félix-Antoine Orange. Premier essai et 10, Cavalier. Il y a un temps d'arrêt qui a été demandé du côté de Victoriaville.
Voici. Bien streamé l'original ou live en vente au bar au coût de 3,50$, 4 pour 12$, il y a aussi la grosse commande en planche, 6,50$ ou 4 pour 24$ seulement. Il y a aussi les vêtements promotionnels, les bulletins au kiosque derrière les estrades, si vous voulez porter les couleurs officielles de votre équipe locale. Et un petit rappel, si vous avez faim, hot dog géant, smoke meat, chip maison, sont en vente à la cantine Papi Hot Dog, juste derrière les estrades. Contre Saint-Lambert. Alors, hors-jeu contre Saint-Lambert. 5 verses de pénalité, on reprend ça. Deuxième essai. S'attraper, récupéré par les cavaliers. Sa troisième essai. Passe incomplète. Deuxième essai, 10, but 4.
Course complétée par le numéro 4, Philippe Lessard. Troisième essai, Lucas. Facial. On est réussi. Et 10, Vulcan. Passe complétée et attrapée par le numéro 4, Philippe Lessard. Deuxième essai, Vulcan. Je rappelle que cette partie de football est une présentation de Roy Auto. Et 7 pour les cavaliers. Majeur de l'événement de ce soir, Subway Cactus Resto Bar, le O 97.3, Roy Auto, qui d'ailleurs est le présentateur officiel ce soir, pour Mutuelle Assurance, Pèlerin Pot de Vingagnon, la ville de Victoriaville est nouvellement entrée dans l'équipe Vidéotron. Thank you.
Pénalité sur le jeu. Pénalité contre les Vulcains. Alors, ce sera premier essai et 10 cavaliers. Sur le jeu. Pénalité cette fois-ci contre Saint-Lambert. Contre une anti-sportive. La passe est complétée. Alors c'est bon pour le premier essai, il 10. Deuxième essai, les cavaliers. Pénalité sur le jeu. Alors, hors-jeu, Saint-Lambert, 5 verges de pénalité. On sera deuxième essai et 18, Saint-Lambert. Redcliffe. C'est sa troisième essai. C'est à l'envers. C'est une présentation de Roi Auto.
Allons récupérer par les Vulcains. Finalité contre les Vulcains, premier essai et 10. Course complétée par le numéro 5, Jean-Philippe Bolduc chez les Vulcains. Ce sera deuxième essai. Cette fois-ci complétée par le numéro 4, Philippe Lessard. Troisième essai, Vulcain. On vous rappelle qu'il vous reste encore quelques minutes pour vous procurer votre magnifique mini-ballon de football Subway. 3$ pour un ballon, 3 pour 7$. Vous aurez la chance de gagner à la mi-temps le certificat cadeau du Centre optique des Bois-Francs. On joue, je vous le rappelle, à la mi-temps. Bon applaudissement numéro 4, Philippe Lessard. On reprend premier essai et 10, Vulcain. Course complétée par le numéro 5, Jean-Philippe Bolduc. Deuxième essai, Vulcain. Course complétée encore une fois par le numéro 5, Jean-Philippe Bolduc. Troisième essai, Vulcain. Oh!
pour le premier essai, It's This Butin. La pénalité contre les Vulcains. On a trop pris de temps pour mettre le ballon en jeu. Ce n'est pas bon, mesdames et messieurs. 2 minutes 42 à faire à ce deuxième quart. 27 pour les Vulcains, 7 pour les Cavaliers. On rappelle que ce match est une présentation de Roy Auto. Il est encore temps de vous procurer votre magnifique mini-ballon de football Subway. 3$ pour 1. 3 ballons pour 7$. On vous invite à conserver l'élastique avec le numéro inscrit dessus. Très important. Au dernier match local, il y a quelqu'un qui a lancé son ballon avec l'élastique et on l'a pigé. Grâce à l'élastique, on peut vous identifier si vous réussissez à atteindre la cible. Malheureusement, si vous lancez l'élastique avec le ballon, impossible pour nous de le faire. Alors, retirez l'élastique de votre ballon. On joue dans 2 minutes 42 exactement. Tout de suite après avoir joué au jeu de la mi-temps. Vous avez l'occasion d'aller vous chercher peut-être un hot dog géant, smoke mini, chip maison en vente à la cantine Papy Hot Dog. Et le spécial sur la bière ce soir, Sleeman Original ou Light, en vente au bar au coût de 3,50$ ou 4 pour 12$. La grosse Cronenbourg blanche à 6,50$ ou 4 pour 24$. Chez les Cavaliers, premier essai 10.
Le corps arrière a couru. C'est un deuxième essai maintenant. Beau jeu défensif chez les Bulletins. Troisième essai maintenant. On est gagné. Très beau plaqué complété par le numéro 32 chez les Vulcains, Christophe Mayotte. Quatrième essai maintenant. À Victor, c'est le temps de faire du bruit! Premier essai et 10 pour les cavaliers. Passe incomplète, deuxième essai, cavaliers. Complété par le camp arrière chez les cavaliers. Troisième essai maintenant. Thank you.
Cette partie de football est une présentation de Roy Auto. Premier essai, et 10 cavaliers. Deuxième essai, Cavalier. Alors c'est comme ça que se termine le deuxième quart. 34 pour les Vulcains, 7 pour les Cavaliers. Pour ceux qui veulent suivre le match canadien contre les Maple Leafs de Toronto, 3-2 pour le Canadien ce soir, puis Jonathan Drouin dans les dernières secondes. Et préparez-vous pour le jeu de la mi-temps, ça s'en vient. Approchez-vous tranquillement, pas trop vite. N'oubliez pas d'enlever l'élastique autour du ballon. On joue dans moins de 2 minutes. Constatez tout d'abord l'élastique autour du ballon, je le rappelle, parce que, encore une fois, au dernier match à 4, il y a quelqu'un qui a lancé le ballon dans la cible avec l'élastique. Impossible pour nous de le retracer par la suite. Alors, lorsque la voiturette prend son passage, vous pouvez lancer votre mini-ballon de football Subway, préalablement à l'intérieur de la cible, évidemment. Il n'y a qu'un seul passage, donc lorsque vous voyez la voiturette passer pas loin, vous lancez, évidemment. S'il y a plusieurs mini-ballons à l'intérieur, on fait vivre parmi tous les ballons à l'intérieur de la cible. Et s'il n'y a aucun ballon dedans, ça ne peut pas arriver en trois ans. Je ne me souviens pas si c'est déjà arrivé. Non, je pense qu'on a toujours eu au moins un ballon à l'intérieur. Alors, s'il n'y a pas de ballon, mettons que c'est une exception ce soir, on fait vivre parmi toutes les personnes qui ont acheté les ballons. Êtes-vous prêts? C'est parti, on y va!
Dernière chance pour lancer. Non. Non. Oh, demi-tour, on va compter ça. On va faire la pige. On va ouvrir ça en passant. Si vous avez acheté un ballon ou des ballons, prenez les élastiques, allez les porter juste en bas de où, bien sûr, on vend la bière, donc au kiosque de bière. Allez porter les élastiques, les ballons, qu'on puisse refaire le jeu sur la.
invite à aller vous chercher le poncho. Allez-vous chercher un petit quelque chose à manger si vous avez encore un fringale. La skimmel originale ou même dans votre bar au coût de 3,50$, 4 pour 12$, ou la grosse crambeau blanche à 6,50$ et 4 pour 24$. Les hot dogs géants, smoking, chip maison sont en vente à la cantine Papy Hot Dog. Juste avant que le match redébute, que l'on parte le troisième quart, je rappelle que le prochain match local, le quatrième et le dernier match de la saison régulière, c'est ici même, samedi prochain, le 21 octobre, match présenté par Subway. Les cheminots du cégep de Saint-Jérôme seront en ville pour l'occasion. Alors, c'est à ne pas manquer. Merci les partenaires de ce soir, Rivard, Physiothérapie Victoriaville, Desjardins et les partenaires Sideline, Tech Service, le dépanneur Le Garde-Manger, le restaurant Le Luxor, Poudreau et Associés et Centre Optique des Voies. Il vous reste encore quelques minutes aussi pour acheter votre moitié-moitié si ce n'est pas déjà fait. Un billet pour 3$, 3 billets pour 5$, 10 billets pour 10$ et 30 billets pour 20$. Le troisième quart débute à l'instant. Bonne fin de partie, mesdames et messieurs. Par les cavaliers de sa première essai 10. Les cavaliers, ce sera premier essai et 15 cette fois-ci. Complété par le numéro 33, Joey Hull. Troisième essai, Victor. On rappelle que cet article de football est une présentation de Roy Auto.
Ballon récupéré par les Vulcains. Le numéro 10, Félix-Antoine Laurence, récupère. Premier essai 10. Vulcain. Course complétée par le numéro 4, Philippe Lessard. Deuxième essai, Vulcain. C'est parti, football est une présentation de Roy Auto. On les remercie. Encouragez le Vulcain.
Un point de plus au tableau, 11 minutes 30 à faire au troisième passe, 41 maintenant pour les Bulldogs et 16 pour les Cavaliers. Sur le jeu. On rappelle que cette partie de football est une présentation de Roy Auto.
Mesdames et messieurs, malheureusement, on est désolé. On doit attendre absolument que l'ambulance arrive pour récupérer le joueur. On vous demande un peu de patience, s'il vous plaît. Thank you.
Mesdames et messieurs, un moment d'applaudissement, s'il vous plaît, pour le numéro 10, le cavalier Philippe Sereno. Alors, le match pourra reprendre son cours dans les prochaines minutes. Les joueurs se réchauffent. Petit échauffement, question de poste blessé. 11 minutes 27 à faire au troisième quart. On rappelle que le bar est toujours ouvert. Simon Original ou Light en vente au bar au coût de 3,50$ ou 4 pour 12$. Grosse colombo blanche à 6,50$ ou 4 pour 24$. On tient dans le fenêtre quand vous passez au bar. Regardez à côté l'autre kiosque vêtement promotionnel de vos mots des vulcains au kiosque derrière les estrades. On rappelle que ce match est une présentation de Roi Auto. On vous rappelle, premier essai et 10 cavaliers. Pour se compléter, ce sera premier essai et 10 cavaliers.
en pénalité contre Victoriaville. Premier essai et 10 cavaliers. Salle du camp. Et là, on a le résultat final du match des Vicars contre les Barons. Défaite de 15-13 au final, malheureusement. Alors, deuxième défaite pour les Vicars. Bon, c'est complet. Troisième essai. Course complétée par le numéro 4, Philippe Lessard. Quelques verges de perte sur le terrain. Deuxième essai, Buquet. On s'est récupéré par le numéro 17, Mathieu Langlois. Troisième essai, Buquet. Passe incomplète. Quatrième essai. Bon applaudissement pour le numéro 44, Antoine Millette. Quatrième essai, Buquet. Jack.
La pénalité contre les Cavaliers. Son premier essai est 10, Cavalier. Pénalité contre les députés. On passe obstruction sur le receveur. Premier essai et 10 Cavaliers. Bloc complété par le numéro 25, Kevin Roy. Deuxième essai, Cavalier. Chez les Cavaliers, ce sera insuffisant pour le premier jeu. Troisième essai. Passe incomplète. Quatrième essai. Cavalier. Ballon récupéré par le numéro 22, Frédéric Gagnon. Un premier essai, et 10, il tient. On rappelle que cette partie de football est une présentation de Roy Auto. Passe incomplète, troisième essai.
Mathieu Fonzet, premier essai, et 10! Ultime. Cinq victoires complétées chez les Cavaliers, c'est sa deuxième essai, Busquin. Premier essai, 10. Complété, deuxième essai, Cavalier. Encore quelques secondes pour le moitié-moitié. Une ou deux minutes. Moitié-moitié, 1 pour 3 $, 3 pour 5, 10 pour 10 $ et 30 pour 20 $. Course complétée par le quart arrière. En pénalité contre les Cavaliers. Un bloc illégal. Ce sera le deuxième essai, Cavaliers. Du numéro 50, du Mathieu Branche. Troisième essai, Cavalier. Ballon récupéré par les Vulcains. Alors, bloc illégal contre Victo.
Son premier essai est 10, Vulcan. Course complétée par le numéro 28, Olivier Bergeron. Deuxième essai, Vulcan. Course encore une fois complétée par les Vulcans. Troisième essai. Il a blessé sur le jeu. On rappelle que cette partie de football est une présentation de Roi Auto. Pour le numéro 67, Alexandre Breton. Et on reprendra le troisième essai. Complété par le corps arrière, le numéro 17, Mathieu Langlois. Quatrième essai, Vulcan. Le dernier match de la saison régulière la semaine prochaine, samedi 21 octobre, match présenté par Subway. Dernier match de la saison régulière pour les Vulcans. Les cheminots du cégep de Saint-Jérôme seront en ville pour l'occasion. Alors, son premier essai est 10, Cavalier. C'est la fin du troisième quart, mesdames et messieurs, avec un quart à faire, 15 minutes à jouer, 41 pour les Vulcans, 7 pour les Cavaliers. On rappelle que le bar est toujours ouvert, si l'œuvre originale ou light en vente au bar au coût de 3,50$, 4 pour 12$, la grosse Cronenbourg blanche à 6,50$ ou 4 pour 24$. Il y a une pénalité contre les Cavaliers. Bloc illégal.
Et on reprendra le premier essai avec 20 verges à faire. Alors effectivement, le troisième quart se termine maintenant. On ne pouvait pas terminer sur une pénalité. Donc, troisième quart terminé. Il nous reste un quart à faire 15 minutes. Course complétée par le numéro 23, Benjamin Bergeron, Spénard. Philippe Cavalier, ce sera le troisième essai. Par les cavaliers. Presque récupéré par les Vulcains. Quatrième essai. Cavalier. Thank you.
course complétée par le corps arrière, insuffisant pour entrer dans la zone des buts. Deuxième essai, Canadien. Et entre-temps, résultat final entre le Canadien et les Polices de Toronto. En prolongation, les Polices l'emportent avec un but d'Austin Matthews. On réussit à contenir la course. Troisième essai. Il est blessé sur le jeu. Tout juste le tirage. 135$ sera remis ce soir. Alors, le numéro gagnant. Le 1, 3, 4, 6, 3, 7, 3. Je répète, le 1, 3, 4, 63, 73. Si vous avez le bon numéro, le numéro gagnant, présentez-vous à la cabine de l'annonceur. Pour la moitié-moitié. Soir pour l'ensemble des joueurs. On poursuit ça. Troisième essai et deux pour les Canadiens.
Il y a pénalité sur le jeu. La procédure illégale contre les cavaliers. Alors, premier essai et 10 pour les Vulcains. Temps d'arrêt demandé pour Saint-Lambert.
Course complétée par le numéro 17, Mathieu Langlois. Deuxième essai, Lucas. Course complétée par le numéro 4. Philippe Lessard. Troisième essai. Lucas. Il y a pénalité sur le jeu. Alors, c'est une procédure contre les Vulcains. C'est son troisième essai et 15, Benjamin. On a décidé d'y aller avec le quatrième essai. Pénalité sur le jeu. Alors, premier essai, 10, Saint-Lambert. Course complétée, deuxième essai. Les cavaliers. Bon jeu défensif de la part du numéro 25, Kevin Roy. Troisième essai, Kevin. Dans le numéro 66, Nicolas Lefebvre contre autres. Quatrième essai, Cavalier. Thank you.
Ballon récupéré par le numéro 2, Benjamin Nolet. C'est son premier essai et 10 buts. Passe incomplète. Deuxième essai, Vulcain. Course complétée, troisième essai, Vulcain. Course complétée par le numéro 28, Olivier Bergeron. Quatrième essai, Vulcain. Et c'est terminé, mesdames et messieurs. 41 pour le Vulcain. 13 pour le Vulcain. Bon match, la part des bons points. Bon match, on va ensuite comme c'est passé. Le match, de samedi 20 et encore la suite de l'ensemble. Du Vulcain, le joueur du cheminot du Cégep de Saint-Géron. Merci à Roy Auto pour son support ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous d'ailleurs, toute la gang de Roy Auto. Merci également à vous, chers partisans. On vous attend en grand nombre lors de notre prochain match. Je vous rappelle, ce sera le dernier de la saison. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. Je ne comprends pas pourquoi il est tout de suite.